partait sur tous les gens du quartier là, tous les gens qui ne voulaient pas comme le bailleur. Alléluia. Il me parle pas, il est en prison. De l'argent, on ne peut plus manger. Non, les pauvres ne peuvent pas s'offrir le luxe de manger de si gros poissons. Hein? Donc vous avez de l'argent et vous refusez de payer le loyer. Il dit à personne. Oh, yes! Tu m'as bien regardé. Voilà toute ma vie. Un million. Ton papa, qui est mon grand-père, s'il vendait tout ça, qu'allais-tu faire? Tu veux entrer en guerre contre moi? Mon mari m'a donné ma chance. N'est-ce pas? Oui, je crois que tes parents ont mal fait de te laisser ici. La petite, tu sais ce que je devais faire à cet enfant. Tu sais qu'elle est si bien, hein? Protège-toi au moins. Je n'oublie jamais personne. Je pense à chacun de ses enfants. Quoi? Long poil! Long poil! Ouais, il s'agit de quoi là? Tu es en train de nettoyer un peu le sol. C'est... Tu ne dois pas faire ça ici! Non, laisse-moi tout ça. Ça, c'est quoi ça? Tu penses? Assieds-toi là-bas! Gré, le temps est court. Fais vite. Tu te répands. Répands-toi vite. Tu connais le chemin avant qu'il soit trop tard. Là voici ce qui a la jupe là. Arrêtez là. Ce qui a la jupe là. Là voilà là-bas, c'est elle qui a volé mon argent. Elle sera prise tout de suite. Bonjour madame. Bonjour chef. Oui, c'est vous, princesse Denise. Oui chef. Oui, je suis agent Benanga. Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que j'ai? Tu as volé mon argent. Pour escroquerie et abus de confiance. J'ai encore escroqué qui? Tu as volé mon argent. J'ai abusé de qui? Arrêtez cette dame. On t'en fait, allez, rentre, je suis pas le chef. Gauche à droite, vous croyez que c'est pas ça? Madame, on va gérer ça. Mon fils, que se passe-t-il? Mon père. Mon père.
Dieu nous a tourné le dos, mon frère. Dieu vous a tourné le dos? Pourquoi vous dites cela? Mon mari nous a mis à la porte. Et ma femme est en cellule, mon frère. Mon fils, quand vous croyez que vous êtes abandonné, c'est alors à ce moment que le Christ vous porte. Venez, suivez-moi. Nous allons tout. Merci, mon frère. Mon fils, avant que de te faire cette prière, parce qu'on ne saurait jamais manger dans un fumier. Écoute très bien cette petite histoire de ce jeune homme qui était accablé dans sa vie, qui a tout perdu, qui était malade, et un jour, il se met à marcher. Et le Christ lui dit, mon fils, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Alors chaque fois qu'il regardait derrière lui, il voyait ses empreintes de pas et les empreintes de pas du Christ. Alors il était sûr que le Christ était avec lui. Alors chemin faisant, il regarde de nouveau en arrière, il ne voit qu'une seule marque de pas. Une personne ne marchait plus. Alors il s'écria et dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est alors là que le Christ lui répondit, au moment où tu dis que je t'ai abandonné, en fait, c'est pas toi qui marchais, c'est moi qui marchais, c'est moi qui te porte. Et la plus que le Christ avait abandonné, ce n'était pas le cas. Il n'avait plus la force de marcher. Il croyait que ce sont ses empreintes de pas qui étaient au sol, mais en fait, c'était les empreintes de pas du Christ. Et c'est des moments pareils que vous vivez. Vous croyez que le Christ vous a abandonné? Que non. Il vous porte dans ses bras. Vous avez compris? Séchez vos larmes et maintenant on peut bien faire notre prière. Donc, on doit voir le commissaire tout à l'heure. Merci beaucoup, Anthony. Tu es un homme bon. De rien. Mais en même temps, on va remettre l'assiette de nourriture au policier qui s'occupe de toi. Ça va, tu manges là. Je t'ai dit, ne stresse pas. Je sais que ça, c'est pas ton endroit. Ne stresse pas. Je vais voir le commissaire. Merci beaucoup. On arrive, bon. Il faut remettre l'assiette. Putain, alors, tiens bon, hein. Courage. Mais ne pleure pas, ne pleure pas. Ça va aller. Ça va aller. Que se passe-t-il? Tu ne te fais que remuer, remuer, remuer. Mange au moins. Ce n'est pas en faisant tout ceci que les problèmes vont se résoudre. Qu'est-ce qui se passe là, Lombard? Tu pleures ou alors tu manges? Comment voulez-vous que j'aie l'appétit? Quand ma femme en train de courir en cellule. Et tu penses qu'en faisant la grève des faims, c'est ça qui va résoudre le problème? Hein? Et tout ceci à cause d'un salopard qui nous a bouffé 1 million. Il est carrément couché sur lui, en train de manger notre argent. Et nous sommes en train de souffrir. Maman m'a salué. Mon mari m'a chassé. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Comment Seigneur. Calme-toi. Comment je vais faire pour faire sortir ma femme à prison? Comment je vais faire? Je vais commencer par où? Chacun paye de ses actes. Un jour, il va payer. Et tout ceci, pourquoi? L'escroquerie, la facilité, le mauvais cœur.
Quelle méchanceté, quel mauvais cœur, quelle méchanceté. Dieu ne veut pas faire quelque chose à quelqu'un, il veut, mais il ne peut pas. Que de pouvoir prendre jusqu'à 1 million de francs. Mais un jour ça va finir. Et long Paul, ne te dérange pas, on va trouver une solution, ce qui est sûr. On va trouver une solution, tu vois. Donc, dégage-toi. Essaye un peu de libérer ton esprit. Parce que tu peux tout faire, tu peux te pendre. Le moment n'est pas encore arrivé que ta femme soit libérée. Et on va trouver un moyen pour faire sortir ta femme de la cellule. Et pas comment, pas comment, elle va sortir comment? Je veux commencer par où pour avoir 1 million pour rembourser Suzanne? Elle va sortir comment? Rien, on trouvera une solution. On trouvera une solution, t'en fais pas. Et sois sûr, dans ce pays, tout va changer. Ça va changer. Oh, que j'aimerais te revoir, toi, cette femme mystérieuse. Que tu es belle. Je voudrais tant t'avoir comme épouse. Ainsi tu ferais ma joie. À moi tout seul. Je vais tout faire pour t'avoir. Chez toi, il faut que je t'appelle. Mais bien sûr, en tant que personne civilisée, pour arriver à l'hôtel, pour avoir sa montre. Et si tu ne m'avais pas trouvé, j'allais faire comment? Mais j'allais rester là devant la porte à t'attendre. Comment ça? Ouais, s'il te plaît, je vais rentrer. Non, il faut rentrer, je suis en train de sortir, franchement. Je suis en train de sortir. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Hein. Méfie-toi. Te cacher quoi? Moi, chérie, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Qui trouble la tranquillité des gens comme ça? Ok. Donc c'est pour cette chose que tu refuses que je rentre dans cette maison. Tu appelles qui chose? Toi, voilà, voilà. Tu appelles qui chose? Enlève cela. Chérie! Ne me touche pas! Attends!
ta blessure. Non, s'il te plaît, tu es en train de saigner, chérie. Mon bébé, tu saignes. Regarde. C'est pas moi. Oh, oh là là. Je vais prendre soin de toi. Allons, Dita, je vais prendre soin de toi. S'il te plaît. Tu sais, dans la vie, il y a les périodes de vaches maigres. Je voudrais dire, il y a les hauts et les bas. Mais rassure-toi d'une chose. Après la pluie, vient le beau temps. Tout ce que tu vois là, ça va passer. Et tu vas retrouver l'homme poil que tu es. Frère, espoir. Donc, ne te casse pas trop. Et tu peux compter sur moi. N'hésite même pas. Si tu as un problème, n'hésite pas. Hein. Parce que tu es mon frère. Hein, fiston. Papa. Ah, ok. Tu n'oublies jamais les rendez-vous. Ah, mon fils, tu sais que ces choses-là... Non, on ne peut jamais les oublier. Le rendez-vous de trucs. Ah, tu es à l'heure. Oui, oui. Ok. Qui est? Ben, c'est long poil. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, ah non, ne me dis pas que tu habites ici. Sors d'ici! Non, papa. Non. Mais tu sais bien que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de virer quelqu'un ici. N'est-ce pas? Quoi? Quoi? Tu es venu pour ton rendez-vous. Et tu ne manges plus les poissons qui coûtent 12 000 francs. Hein? Et les genoux d'éléphant. Dude! Papa, où est le problème? Le problème, c'est où? Aka. Est-ce qu'il n'a pas de problème? Déjà, il en a trop. Aka. Non. Celui-là. Déjà, il en a trop de problèmes, papa. Pourquoi tu le détestes tant? Aka! Tu ne vas pas le voir. Tu ne sais pas qui peut être ton fils? Quel fils? Celui-là? Ah non, ça, jamais. Je ne veux pas avoir un enfant bâtard chez moi. Un fils bâtard. Chez moi, non. Papa, il n'est pas bâtard. Mets-toi à ma place. Si c'était moi qui étais à sa place. Ah, heureusement. Heureusement, tu n'es pas à sa place. Bon, mais papa comprend que je lui ai accordé l'hospitalité ici jusqu'à nouvel avis. Tu es là pour ton... rendez-vous et attends ton colis. Enfin. Fais comme tu veux. Mais celui-là, mon fils. À jamais ma fille. Que le Seigneur soit avec toi. Le corps est-il en santé, ma fille? Ça va, mon père. J'ai appris que vous avez mené tous les mouvements. Tout à fait, ma fille. J'ai demandé à te rencontrer pour avoir ton avis sur ce que j'ai appris. Et je voudrais que tu me dises exactement ce qui se passe entre toi et ta sœur Denise. Mon père, Denise est venue me voir il y a de cela quelques temps. Elle a besoin d'un prêt d'un million. L'argent là, elle m'a fait comprendre que c'était par rapport au dossier concours de gendarmerie pour son mari. Et depuis un temps, j'ai donné l'argent à Denise et de me remettre cette somme d'argent. L'argent ne m'appartenait même pas. C'est pour les gens de la Réunion. Et depuis, j'ai déjà trop de pression à la Réunion. Les mises n'ont pas, on ne fait pas son défi.
Donc, j'ai vraiment pris une décision d'amener le problème là très loin. Ma fille, le Christ Jésus lui-même a vécu en famille avec Marie, sa mère, et Joseph, son père. Il faut avoir un cœur de famille. Je ne suis pas sûr pour ma part que la solution eût été de la mettre en cellule. Je suis sûr que si on s'en sait en famille, on peut trouver une solution plus adéquate. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Parce que moi, je ne savais pas ce qu'elle pouvait faire d'elle. À part la cellule, je n'ai pas trouvé ce que je pouvais encore faire pour qu'elle me remette mon argent. Ma fille, as-tu au moins été au courant que son époux, son mari, avait été escroqué? Ça ne me regarde pas. C'est pas mon problème. Ma fille, comme je te le disais tout à l'heure, il faut avoir un cœur de feu. Seuls les cœurs purs verront Dieu, ma fille. La première solution que je te propose déjà, c'est de bien vouloir retirer ta plainte. Quel que soit ce qui arrive, ce n'est pas en faisant du mal à la prochaine que tu vas trouver une solution à ton problème. Dans tous les cas, c'est comment j'ai trouvé à faire. Nous allons nous mettre en prière et nous allons trouver une solution à ces problèmes. D'accord? J'ai compris maintenant. Mais papa, comment... Fiston, frère, je veux que tu me trouves un peu d'argent. Les locataires là, vraiment... Bonjour, Lampa. Où est-ce que tu vas? Je vais faire un tour à l'église. À l'église. Depuis quand tu crois en Dieu? Tu te moques de Dieu? Je vais faire un tour à l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Hey, madame, tu sors d'où? À ce que je sache, mon mari ici c'est Anthony. Mm-hmm. Pas Belibi machine quoi. Quoi? Impoli! Je parle! Tu parles! Espèce de prostituée! Attends, tu sers à quoi ici? Sinon, remplis les toilettes de mon fils! Hein? Papa. Quoi? Papa. Quoi? Avec tout le respect que je te dois, je ne te permets pas de venir insulter ma femme sous mon toit! Sinon. Sinon. Sinon! Mais sinon quoi? Attends, tu veux me frapper? Eh bien. Sinon quoi? Tu vas me frapper? Calme-toi. Eh bien, frappe-moi! Je suis habitué. Frappe-moi! Je suis habitué. Oui. Allons-y. Tu vas me frapper? Et toi? Prostituée que tu sois, hein? Je te dis que tu passes ton temps à remplir les toilettes de mon... Et je te fais comprendre que je chercherai une autre femme à mon fils. Espèce de prostituée. Comment? Mais on est où là? Attendez, bon. Quand je t'étends la main, c'est parce que je sais que même la bise, tu ne peux plus... Pourquoi tu m'as fait venir? Pour qu'elle m'ait demandé 500. Elle avait faim. Moi, je l'ai retrouvée quelque part dans un tournant là. J'ai pris mes 500, je lui ai remis. Pap! Ça veut dire qu'elle a trouvé le mariage. Depuis ce jour, je ne la connais où? Je te jure que je ne connais pas cette fille. Elle a donc fait comment pour arriver chez toi? Donc moi je suis un peu perdue là, je ne comprends pas. Justement. Je ne comprends pas, je ne sais même pas ce que tu me racontes depuis là. Mais sois sans crainte, ça va aller. Je m'en vais, tiens bon. Au revoir. Je me retrouve ici. Il vient me demander de me calmer. C'est trop facile pour lui. Pendant qu'il monte, il descend. Je me calme.
matin jam in pemelwe unon on vinchel yo tombalening ilere lwae so baningem